Voilà. Fontainebleau, c'est un sol sableux très pauvre. Donc au niveau des plantes, il faut des plantes qui s'adaptent à ce sol-là. Vous allez avoir par exemple les bruyères qui s'adaptent assez facilement à ce type de sol. Et niveau faune, vous avez tous les grands mammifères, les sangliers, les chevreuils, cerfs. Vous avez des amphibiens, notamment le sonneur à ventre jaune qui est un amphibien très, très rare. Et il y a un spot qui se trouve à Fontainebleau, donc assez protégé et caché. Vous avez plein de reptiles aussi, que ce soit vipères, couleuvres, petits lézards. Donc voilà, il y a une faune super diversifiée ici. On va voir ce qu'on va observer sur le chemin. N'hésitez pas à m'arrêter si vous voyez des choses qui vous intriguent ou des choses intéressantes. Là, j'ai fait un an et demi de licence de biologie, mais c'était un peu trop. Enfin, je voulais quelque chose de plus pratique et moins théorique. Donc là, actuellement, je suis en bachelor de gestion et protection de la nature. Le foliacé, en gros, c'est un lichen qui va être totalement plaqué contre la paroi, mais qui va avoir les bords qui décollent un petit peu. Et c'est un des types les plus répandus. Là, pareil, c'en est un qui décolle un petit peu sur les bords. Sinon, il y a le crustacé qui est totalement dans la pierre en fait. Il est tellement incrusté dans la pierre qu'on ne peut pas l'enlever. Et surtout, sur les lichens, il y a une paroi qui protège de l'extérieur. Et normalement, il y en a une contre la pierre. Et bien, le lichen crustacé, il n'a pas de paroi contre la pierre. Et souvent, là, oui. Soit des espèces de choux, ça fait des formes de choux, ça pendouille. Et ça, c'est. Ça a même pas besoin d'eau. Vous voyez les deux cocons au-dessus des pins là. Donc c'est des cocons de chenilles processionnelles du pin. Des grandes feuilles, châtaigniers, ouais, exactement. Grandes feuilles, dentées aussi, très grandes. On a vu quelques-uns un peu dispatchés. Celui-là, il est tout petit, hein, il est très bon. La feuille est moins lisse. Si vous regardez les nerfs durs, elles sont enfoncées, les nerfs durs par rapport aux autres feuilles. C'est plus facile de voir les dents.